Bonjour! Today, questions in French on your daily routine and chores. If you have a French oral exam, this video is for you. I will be using vous only for this practice. Vous êtes prêts? C'est parti! We are going to make this video a listening exercise, because if you can't understand the questions, you can't answer them. So please listen to the questions first and then try to answer. My answers are only examples. So the first question is, à quelle heure vous réveillez-vous le matin? À quelle heure vous réveillez-vous le matin? At what time do you wake up in the morning? A possible answer is, je me réveille à 6h30. I wake up at 6:30. Qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après? What do you do afterwards? You could say, je me douche et je me brosse les dents. I have a shower and I brush my teeth. Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner? What do you have for breakfast? So the answer would start with je prends, and then you're going to say what you have. Qui fait la cuisine chez vous? Qui fait la cuisine chez vous? Who does the cooking at home? You could say, if it's you, c'est moi qui fais la cuisine. Or if it's your mother or somebody else, c'est ma mère qui fait la cuisine. C'est ma grand-mère qui fait la cuisine. C'est ma sœur qui fait la cuisine. C'est mon père qui fait la cuisine, etc. Quand faites-vous le ménage? Quand faites-vous le ménage? When do you do the housework? Je fais le ménage le samedi. I do the housework on Saturdays. Combien de fois par semaine repassez-vous? Combien de fois par semaine repassez-vous? How many times a week do you iron? Je repasse une fois par semaine. Or, je repasse deux fois par semaine. Twice a week. Qu'est-ce que vous faites pour aider à la maison? Qu'est-ce que vous faites pour aider à la maison? What do you do to help at home? Je sors la poubelle. Et what do you think the answer is? Je lave la voiture. Other possible answers? Do you remember them? Number one, je passe l'aspirateur. Number two, je fais la vaisselle. Number three, je fais la lessive. Et number four, et j'étends le linge. Now, about activities, some activities you may do at home. Lire ses messages sur son portable. So you would say, je lis mes messages sur mon portable. You may be watching TV. So what would you say? Je regarde la télévision. A typical question is, décrivez un samedi or décrivez un dimanche typique. And for this question, it's good to use connectors. Here's an example. Tout d'abord, first of all, je me lève à, I get up at, and you put the time. Puis means then, je fais les courses, I go shopping.
Ensuite, afterwards, je prépare le déjeuner. I prepare lunch. Enfin, finally, je regarde la télévision. I watch TV. Here's a little exercise for you, so you need to listen to the questions and try to answer them. So the first one is, à quelle heure vous couchez-vous le soir? À quelle heure vous couchez-vous le soir? At what time do you go to bed at night? And you answer, je me couche à, for example, 10 heures, or je me couche à 22 heures. I go to bed at 10 p.m. Next question. Combien de fois par semaine faites-vous les courses? Combien de fois par semaine faites-vous les courses? You could say, je fais les courses 2 fois par semaine. I go shopping twice per week. In the first question, a key word here is le soir, in the evening, so you know it's got to do with the evening. Two more questions. Qui fait la lessive chez vous? Qui fait la lessive chez vous? So you could say, c'est moi qui fais la lessive. Who does the laundry at home? I do the laundry at home. Next question. Quand repassez-vous? Quand repassez-vous? You could say, je repasse le dimanche soir. When do you iron? I iron on Sunday evenings. That's it for me. I hope you enjoyed the video and I would like to wish you all the best for your exams. Au revoir!